Understand now. Put it in. Dans le titre du film de Paola Cortellesi, on aimerait bien juste entendre l'espoir. Et pourtant, l'histoire de Delia, c'est celle d'une femme visiblement soumise à son mari et à une société patriarcale dans l'Italie des années 40. Tu penses à porter les ordres à casa d'una manastie incapace de tua madre? Dans ce film, presque tout se passe à l'intérieur d'une maison. On a vu le film avec Agatha Mell. Et on ne peut pas décemment regarder tout ce qui se passe et ne pas avoir envie de s'en mêler. C'est nos habitudes. Una. Forte. Malheureusement, ce qui se passe dans cette maison, même si c'est dans les années 40, je pense que ça se passe encore aujourd'hui, ça explique tout un cycle de violence qui est assez commun, en fait, finalement. Quatre grandes phases hein, qui sont le moment de la tension, le moment de l'explosion, où il y a la violence, le moment du reproche, et puis une sorte de lune de miel qui fait que la personne qui est sous emprise ne peut pas s'en sortir. Et ça, je crois que ça existe depuis la nuit des temps, et malheureusement, ça continuera d'exister. C'est aussi à nous, collectivement, de nous organiser pour aider au mieux les personnes qui sont sous emprise. Ce film a été un véritable phénomène en Italie. La question de pourquoi est-ce que ça a fait autant sortir les femmes et les hommes, certainement, dans la rue, ce film, ça montre, et ça c'est universel, que le privé est politique. Il reste encore demain, ce mercredi, au cinéma. On l'a vu et on vous le conseille. Non ci devi andare più, Laura. E chi t'ha detto? Te lo dico io. Tu sei mia.